Bonjour, on est à le camping de Barol. C'est en Saint-Genis-le-Val et c'est comme 13 km, comme à 13 km de Lyon, centre de la ville de Lyon. Et ici, on a comme à 1 km d'une station, un arrêt de bus qui t'es amené, vous pouvez amener à le centre de Lyon comme en 30 à 40 minutes. Et aussi la réception, il y a une dame là qui le peut expliquer comment aller à Lyon et quelle région visiter, qu'est-ce qui est plus facile de visiter dépend le temps. Florence le va expliquer plus de les campings. Alors ici on est devant la réception qui est aussi une boutique où il y a des petits produits régionaux. Je suis désolée, il y a du vent, j'espère que vous m'entendez bien. On va poser. Et juste à côté de la réception, il y a une laverie. Là, on va vous montrer, Mani va me suivre. Alors il faut acheter des jetons à la réception. La machine à laver c'est 5 euros. Je vous mettrai dans la description combien ça coûte pour le sèche-linge parce qu'il fait très beau aujourd'hui donc je ne compte pas utiliser le sèche-linge. Mais il faut un jeton aussi donc il faut s'organiser pour acheter les jetons pendant que la réception est ouverte. Ils sont fermés entre midi et 2 puis ils sont ouverts le soir jusqu'à 19h et je crois qu'ils ouvrent le matin à 9h ou quelque chose comme ça. Et vous avez un sèche-linge et deux grosses machines à laver. C'est des machines comment, commerciales qui sont très grosses et puis qui durent pas très très longtemps. Puis en général, ça lave très bien. Donc voilà. Et puis Mani va maintenant vous montrer la zone de vidange. Ok, devant ici, on a devant les sanitaires et aussi c'est les sons de vidange. C'est le son pour les eaux grises et aussi pour le replan de l'eau de dos. Il y a déjà les tuyaux et on va bouger là, hein, des tuyaux. 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 Voilà. Et on va. Et ici, on a les zones pour les eaux noires avec des rangs de robinets. Et maintenant, Florence va faire le tour de camping. Bon alors, me revoilou. Et donc, je vais continuer de vous faire un petit tour parce que c'est assez grand quand même. Il y a pas mal de choses à dire et de choses à voir. Donc là, je vois qu'il y a des bouteilles de gaz, donc vous pouvez refaire le plein de gaz. Ça, c'est toujours bon à savoir. Et donc, dans l'entrée, là, on a la laverie et puis la réception qui est derrière l'arbre. Là, ça, c'est l'entrée où on était tout à l'heure. Il y a Mani qui est là-bas. Cette petite zone-là, c'est le parking d'arrivée, hein, pour quand vous arrivez pour aller à la réception. Et c'est aussi un parking pour la nuit. Apparemment, si vous voulez juste vous arrêter pour une nuit, il y a cette zone qui est là, qui sont pour les gens qui veulent pas s'arrêter longtemps. Donc ça c'est assez pratique, c'est aussi bon à savoir. Donc là ici vous avez une zone aussi où les gens peuvent se garer. Là ça c'est un petit peu en pente. Nous on est là-bas dans l'ombre, tout au fond. Donc ça c'est un des endroits. Donc là nous on est dans un des emplacements les plus ombragés. Vous voyez que c'est pas partout le cas. Donc là les sanitaires, je vais aller de ce côté parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui fait la vaisselle. Donc là ça c'est les sanitaires douche. C'est un des deux blocs de sanitaires d'après ce que je vois. Donc bon classique, hein, c'est là vous avez des douches, là vous avez les robinets, et puis là vous avez les toilettes avec les urinoirs. Il y a du papier toilette, il n'y a pas de savon. Ça, c'est assez classique. Et puis, donc, à côté, vous avez des éviers. Alors, j'irai peut-être dans l'autre, parce que là, j'entends qu'il y a quelqu'un, donc je ne vais pas les déranger. Mais voilà, donc là, il y a. Alors, c'est assez grand, hein. Il y a une zone. Je vais commencer là, puisque je suis là. En fait, j'ai parlé à la dame donc, quand je lui ai parlé de faire la vidéo, et alors elle m'expliquait que ce terrain, en fait, ça appartient à sa famille depuis les années 1800, je crois qu'elle m'a dit 60, 1800 et quelques, et à l'époque c'était un relais de diligence, carrément. Donc voilà, et après c'est devenu un camping, c'est un camping depuis 1960.
Et donc là, alors il y a toute une zone là qui est un petit peu séparée du reste. Il y a une barrière et tout. Et vous avez ce grand bâtiment au milieu qui, alors j'espère que ça se voit parce que là c'est un peu à contre-jour, je suis désolée, il y a du soleil. Et à une époque c'était un restaurant. Et elle m'a expliqué que maintenant ça sert. Voilà, je suis là. Ça sert maintenant pour quand il y a des grands groupes de camping-cars ou bien des trucs privés ou des trucs organisés qui viennent là par exemple et qui veulent avoir une salle commune ou déjeuner ou dîner. Donc ça sert à ça. Donc ça c'est bon à savoir. Sinon, bon, ça, c'est juste là, ça sert pas quoi. Et puis bon, je vais continuer de faire le tour du camping. Maintenant, je me retourne. Donc voilà, donc là, on se retrouve vers la zone de la réception et tout ça. Et puis, je vais repasser vers les sanitaires pour vous montrer un petit peu le reste. Alors, il y a quelques personnes ici qui sont semi-permanentes, apparemment. Et puis, alors après, vous allez voir, le camping, il est organisé en terrasse, parce que bon, ça devait être un peu sur une colline quand même. J'ai appris en visitant Lyon qu'en fait dans la région il y a pas mal de collines, vous voyez, je ne savais pas. Donc là, on arrive, bon, là c'est la zone poubelle, alors là il y a vraiment de quoi faire pour les poubelles. Autant dans la dernière ère où on était, ils étaient un peu légers en poubelle, alors là il y a ce qu'il faut apparemment. Et puis voilà, alors après, pour le reste du camping, alors, c'est organisé comme ça en terrasse. Donc hop là ça monte un petit peu, mais du coup les emplacements sont assez plats. Nous là on est très très légèrement sur le côté. C'est du gravier. Là vous voyez il y a ce petit coin qui est tranquille tout seul. Là donc vous avez la terrasse plus haute. Il y a de la place là. Et puis ils ont. Alors ça c'est la zone où il y a l'ancien restaurant que je vous montrais tout à l'heure. Et puis donc là, il y a aussi des petits bungalows, quelques-uns. Voilà, voilà. Et puis ça continue de monter. Tac, 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 tac. Donc là, il y a encore un petit bungalow là-bas et puis d'autres emplacements pour les véhicules, hein, plutôt. Les tentes, c'est plutôt dans les zones un petit peu moins graveleuses. Voilà, et puis là sur la droite, ça continue. Ouais, quand on arrive au tournant en haut de la, enfin presque en haut de la petite colline, il y a encore un bloc sanitaire. Donc là, je vais peut-être vous montrer le côté vaisselle ici, vu que là, j'entends pas de bruit, donc il y a peut-être personne. Et il y a encore une poubelle, vous voyez. Donc voilà, donc là en bas c'est pareil, mais à part que la zone vaisselle est séparée des toilettes, là il y a tout au même endroit. Donc là vous avez les mêmes éviers, et puis il y en a certains qui ont de l'eau chaude et d'autres de l'eau froide, le choix. Et puis là, bon, ici vous avez donc le deuxième bloc sanitaire avec aussi les douches et les WC. Donc voilà. Et puis là vous avez toute cette grande zone aussi, toujours. Alors bien sûr, il y a de l'électricité partout. Hein. Là, vous voyez qu'il y a une borne. Donc ça marche bien. Alors il y a du Wi-Fi qui a l'air de marcher dans tout le camping, hein, à peu près. Nous, on a réussi à s'en servir un petit peu. On regarde la télé avec, selon l'heure, hein, selon combien il y a de gens qui l'utilisent. Et donc en redescendant là sur la droite, il y a cette zone-là. Je vois qu'il y a des petites tentes. Ça a l'air d'être un petit peu plus sauvage. Vous pouvez aussi vous mettre apparemment. Donc là, je pense que c'est des endroits où il n'y a pas du tout d'électricité, mais c'est carrément dans l'herbe et tout. Et voilà, puis après, bon, ben, on descend. Alors, c'est assez cool, en fait, c'est marrant, parce que quand on arrive au début, on a l'impression que c'est pas grand du tout. Et puis en fait, quand on commence à se balader, on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup plus de choses, vu la manière dont c'est organisé. Donc voilà. Alors, juste pour dire, donc, en gros, nous... on a trouvé ça pas mal, hein. Les sanitaires sont propres, tout marche bien, les gens sont super sympas, on a été vraiment très bien reçus. Et franchement, pour visiter Lyon, nous on a trouvé que c'était vraiment très très pratique, hein, comme vous a expliqué Mani. La dame nous a tout expliqué dès qu'on est arrivé, on prend le bus, c'est direct, ça nous amène vraiment au cœur de Lyon, là où il faut être, ou à peu près, ou
vous avez, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure à faire à pied, puis dans chaque direction, et puis vous pouvez voir tout ce qu'il y a à voir. Il y a en plus d'autres bus que vous pouvez faire. Bon, nous, on était là pendant juste, on a fait deux demi-journées, en gros, à Lyon. Mais je pense que c'est un bon spot pour s'arrêter, pour visiter Lyon. J'ai vu d'autres choses sur les applications et les avis n'étaient pas nécessairement très très bons. Nous, personnellement, on a trouvé ça pas mal. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à avoir une petite idée générale du camping des Barolles. Donc voilà, donc ça c'est la vue, pas tout à fait du haut, mais presque. Si vous êtes tout là-haut, vous avez même un petit escalier, vous voyez, qui vous amène à la zone tout en haut, quand vous n'êtes pas avec votre véhicule. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, et puis à très bientôt.